Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulum Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de parcourir la distance en utilisant un minerai cinétique. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Château Red Slab. Donc voilà, juste ici sur le gameplay, parce qu'à cet emplacement-là, vous avez des minerais cinétiques qui vous attendent. Donc ce que vous allez devoir faire avec ces minerais, donc ces gros cailloux là, comme vous voyez devant moi, là, gros cailloux bleus. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est taper le caillou cinétique comme ceci, plusieurs fois, hein, vous le tapez plusieurs fois. Et là regardez, quand vous allez dessus, à un certain moment, ça va vous faire déplacer comme ça vient de le faire. Alors je sais pas par contre, où est-ce qu'il s'est expulsé? Mais voilà, ça a bien fonctionné. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, en fait, c'est de voyager sur de très longues distances. Donc essayez de faire en sorte d'envoyer un caillou à l'extérieur de la mine. Comme ça, vous aurez le champ libre. Parce que là, regardez, il est un peu bloqué. Ok, donc là, waouh, c'est un truc de ouf. Ok, donc là, attendez, je vais prendre la moto et je vais aller rejoindre le minerai cinétique qui est parti à l'extérieur de la mine. Et je vais l'utiliser pour voyager. Regardez, il est juste ici, donc c'est parfait. Là, j'ai le champ libre. Donc, on va mettre un ping juste là. Donc, là, ça fait déjà 200 mètres. Donc, si j'arrive à aller jusque là-bas, j'aurai déjà validé 200 mètres. Donc, hop, je le frappe. Ensuite, je monte dessus. Et là, boum. Bon, par contre, c'est un petit peu compliqué à diriger, hein. Mais ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, en fait, c'est de parcourir la distance comme je le fais actuellement. Donc vous le faites sur une certaine distance et quand vous aurez atteint la distance demandée, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulumek et ciao. Peace!